Oui, Daniel, attends, voilà, les bandes se sont très 51 à toi, Daniel. Là, je t'entends, ça passe petit, ça CQRP de mon côté. Hey, si on faisait QSY, on est sur la fréquence d'appel. On passe sur le 27 625. 27 625. C'est parti pour moi. Voilà, donc voilà, 27 625. On est en plein là sur la fréquence des Québécois. Histoire de leur faire un petit clin d'œil par la même occasion. Je sais, on ne les entend pas, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Hachi, Daniel, est-ce que t'es rendu? Eh ben, je t'ai entendu là tout à l'heure, il devait être vers les 1h30, je pense. Vers les 13h30, je crois, je sais plus, ou 45, 40, dans ces zones-là, quoi. Le coup d'avant, t'étais en train d'appeler une station mobile du côté de la Croatie, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est dans cette période-là. Il y a un peu de tout en fréquence, je ne sais pas si tu es encore là. Ouais, j'ai un petit peu de mal à te sortir aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est vraiment limite QRM. Et il y a un petit peu de surmodulation là en même temps derrière, les fréquences sont pas mal occupées là, un petit peu là, de part et d'autre. Watts, je crois que j'ai un peu plus que ça, moi. Attends. Ouais. J'ai un peu plus que ça, oui, effectivement, là.
Là, j'ai vraiment du mal, par moment, là, je te perds dans les QRM. Vas-y, reviens-moi, s'il te plaît. Hein. Putain, là le QRM a monté un petit peu, là, on dirait de mon côté, là. Tu me demandes mon QTH, je suis au QRA. Hein. Là, je suis sur Sainte-Colombe, il n'y a pas de problème, je suis au QRA, dans le trou, là, dans mon trou habituel, Hachi. Ah, ça y est, j'ai compris. L'altitude, je crois que je dois être à une soixantaine de mètres. Le point haut de Sainte-Colombe est autour des 80 mètres. Donc, le temps de redescendre chez moi, ouais, je dois être à une soixantaine de mètres. Et, ouais, c'est vrai que ça pourrait passer un petit peu mieux. Ça pourrait passer un petit peu mieux parce que je vois Eric qui est un peu plus au sud. Lui passe plus fort. C'est 14 Victor Eco 27. Lui passe un peu plus fort. Les autres stations sur ton secteur, tout ça, c'est pareil, je les entends un petit peu mieux. Mais bon, vu la hauteur de ton antenne, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, mais c'est tout bon, ça, hein. C'est tout bon. Là, c'est dommage que t'aies pas un peu plus de puissance, parce que, bon, c'est vrai que ça mettra un peu plus de confort. Mais 1-1, c'est génial, ça t'obtiendra pas mieux, hein. C'est vrai que par moment là, c'est un petit peu hard. Ouais, je suis en même temps en train de faire une petite vidéo là pour que tu vois ce que ça donne. Et j'ai bien souvent remarqué sur la vidéo, on entend mieux que quand on est à côté de la station. Donc il y a certains passages que je réécouterai après. Et tu verras que là, par moment, là, c'est un petit peu raide quand même. Mais bon, ça, c'est dû à la petite montée de QRM là qui doit y avoir de mon côté là. Assez souvent, j'ai du QRM électrique là sur le secteur. C'est pas toujours très très top, très propre. Affirmatif, t'as des petits malins qui s'amusent là derrière. Voilà, pas mal, critique l'AM, critique le 19, ceci, cela, mais en BLU, eh bien, on a exactement la même chose, Hachi, car là, en ce moment, il y a quelqu'un qui s'amuse à nous envoyer des coups de sifflet derrière.
Enfin, bah, c'est pas grave, ça passe quand même. Attends, ok, d'accord, en FM, je bascule en FM. Désolé pour les oreilles. Ok, voilà, ok, attends, deux secondes, bouge pas Daniel. Je fais un petit réglage, je te reprends de suite. Alors, 4 watts. Ok, on va entrer. Voilà, Daniel, je sais pas si tu m'entends. Voilà, là je suis là, donc là c'est bon, j'ai fait mes petits réglages. Ok, normalement, là, ça, tu devrais pouvoir... Ouais. Tu devrais pouvoir m'entendre. Ouais Daniel, là j'ai énormément de mal. Là je te devine dans le QRM de l'AFM. Là je t'entends un petit peu derrière, mais c'est complètement inaudible. C'est complètement inaudible là, de mon côté. Hein. Ouais, ok, j'ai réussi à comprendre. Tu passes en AM, modulation d'amplitude, c'est parti pour moi. Ok Daniel, ouais, je t'entends un petit peu là derrière. Là, c'est vraiment très, très limite, hein, mais ça arrive à passer quand même. C'est ça le grand local, Hachi. Daniel, je sais pas si tu parles encore, mais là, là c'est complètement inaudible de mon côté, t'es complètement noyé dans les QRM. Par moments, j'ai tendance à te perdre un petit peu. Là, c'est vraiment très 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 moyen, là, on est trop loin l'un de l'autre. Sainte-Colombe, Saint-Médard, là, c'est beaucoup trop là pour la M. Daniel, si tu m'entends, repasse en uniforme Sierra Bravo, repasse en USB. Voilà, ok. Voilà, Daniel, est-ce que tu es de retour là en USB là? Informatif, ouais, je viens de voir ton SMS. Hachi. Ouais, bah oui, ça y est. On y est là en USB. Alors, si vous avez des informations, ça va encore. Et vous avez des informations.
Bon, affirmatif. C'est vrai que là, tu devrais peut-être aller faire un petit tour du côté de Radio 33, là, voir s'il n'a pas un truc à te proposer là pour booster un petit peu, quoi. Parce que c'est vrai que là, de mon côté, là, c'est vraiment très, très hard. Hein. Ah oui, celui-là que t'as trouvé à Radio Broc. Oui, affirmatif. Ouais, attends, je viens de faire une petite connerie en même temps. Voilà, ça y est, ok, c'est reparti. Ouais, c'est vrai que on avait vu là qu'il fallait. Ouais, t'avais vu qu'il fallait vraiment rentrer là très très faiblement dedans. Hein. Attends, 10 watts, c'était pas moins que ça justement? D'accord, on marque, je dis ça, mais je vois, moi, pour ma part, il est marqué 20 watts SSB en puissance d'entrée, mais je rentre aussi en 10 watts, hein, autour de ça, pas plus. Hein. Ok, ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, je suis en train de regarder l'heure. Bon, en tout cas, ça marche quand même, il n'y a pas de souci. Je t'entends. Le report est très difficile à faire de mon côté. Bon, au niveau radio, c'est radio 3-4. Hein. Donc, je t'entends. J'arrive quand même à te comprendre par moment. Il n'y a pas de problème, ça marche. Pour le signal, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, j'ai du QRM de mon côté. Je suis sur le Summer Camp en ce moment, la TS-2000DX, tu sais, la station pour l'expédition. Enfin, c'est ni plus ni moins le RCI, et tu sais que là-dessus, le RCMET est pas très précis, malgré que j'ai quand même fait un petit graduage personnel. Donc là, je peux pas te faire de vrai report de ce côté-là, là, au niveau signal. Mais bon, ça doit pas être très épais quand même, malgré que j'ai un niveau de QRM qui est assez haut, hein, tout de même. Mais ça passe. Donc c'est le principal, ça passe. Est-ce que tu as eu Leclerc 4, oui Fred, en fréquence là récemment? Oh putain, là c'est short. Bon, j'ai à peu près compris que pour ma reine, tu partirais tout seul. Ouais, aussi. Ah tiens, j'ai la voix des ondes qui m'a demandé si ton YL venait avec toi. Ok, affirmatif. Non, bah, c'était juste une question comme ça, là, pour savoir. Mais en tout cas, elle, comme chaque année, elle vient un peu nous aider, là sur le stand, là, installer tout ça. D'autant plus, comme tu le sais, elle a toute sa famille, là, qui est là-bas sur Marraine. Ah oui, alors pour les éventuels écouteurs, le 25 juillet prochain, comme tous les ans, vous avez le salon radio qui se trouve à la salle polyvalente de Marraine.
Marraine, département 17, donc c'est avant d'arriver sur l'île de Léron, sur la gauche. Voilà, une petite pub au passage, ça fait pas de mal. Il m'a semblé entendre que tu allais faire. Tu m'as parlé d'une activation. J'ai pas tout compris. Mais bon, tu nous enverras ça soit sur le groupe Division 14 ODR ou alors sur le forum les hommes du routier. Et tu enverras ça. Il n'y a pas de souci, on fera de la pub. Non, c'est pas ça. Là, je te perds complètement, là. Le QRM a dû certainement monter, je sais pas, mais là, je te perds complètement, là. Ah, le QRM a monté, là. Bon, Daniel, le QRM a monté, là, de mon côté, là, il y a pas de, là, ce qui fait que là, j'ai de plus en plus de mal à te sortir. On va arrêter le QI sur là, hein. Bon, c'était bien sympa, bon, ta station, il n'y a pas de souci, hein, de mon côté, ça marche quand même. Donc, je vais te laisser, puis là, je suis en train de regarder l'heure, il va falloir que je sorte. Donc, je vais t'envoyer les 2713-51, contente de t'avoir enfin à nouveau en fréquence, parce que quand même, là, ça faisait un petit moment que je t'entendais plus. Ça fait plaisir. Je te dis bon après-midi et la semaine prochaine, tu m'as dit que tu n'étais pas là. Eh bien, amuse-toi bien, je te laisse, je coupe les filaments. Bye bye. Ok, les 2713 à toi, bon contact, bon QSO, et à la prochaine en fréquence.